Bonjour à tous, alors aujourd'hui je réalise une petite vidéo afin de faire part de mes résultats de trading grâce à la stratégie de trading range mise en application sur le marché du Forex la semaine dernière. Alors pour rappel, j'avais réalisé une vidéo il y a un peu plus de deux semaines, il y a même trois semaines, qui était intitulée « Une semaine à 6 trades et 873$ de profit sur le Forex ». J'avais réalisé 5 opérations, il me semble, rentables et un trade perdant. Voilà. En effet, l'historique figure ici, donc sur la vidéo sur YouTube. Depuis cette vidéo, j'ai pas beaucoup tradé. En fait, durant deux semaines, j'ai été assez occupé. Je réside en Thaïlande et j'ai eu quelques petits soucis administratifs. J'ai dû me rendre au Cambodge pour un problème de passeport. Bref, le capital lors de la réalisation de cette vidéo était de 7639,16$. On va jeter un œil à mon compte eToro. Donc, en date du 31 octobre, le capital n'avait pas bougé, il était toujours de 7639$. Et à l'issue d'une semaine de trading, donc j'ai repris le trading à partir du 31 octobre, j'ai tradé durant 3 journées, j'ai réalisé 4 trades et les 4 ont été rentables pour un profit total de 1307,52$. Donc ce qui porte notre capital à 8946$. Donc j'ai réalisé ces 4 trades sur le GBP USD. Il y avait également des opportunités sur l'euro USD, mais j'ai préféré reprendre le trading tranquillement et me focaliser sur un seul marché. Alors le risque par trade a été d'environ 200$, soit 2,5% de mon capital, malgré les 660$ affichés ici investis par trade. Le risque était bien de 200$. Dans le cas où mon trade ce serait avéré perdant, j'aurais bien perdu 200$ et non pas 660$, mais ça je vous l'explique dans l'article du blog. Donc on va jeter un œil rapidement au graphique pour voir ce qui a été fait. Alors ici nous sommes sur le graphique du GBP USD. Les encadrés bleus représentent les différents ranges que j'ai repérés grâce à ma stratégie de trading. Alors j'ai pris un premier achat ici lors du 31 octobre, j'ai pris une vente ici lors du 2 novembre, puis lors du 3 novembre, j'ai pris une vente ici et un achat ici. Donc lors de la semaine dernière, les 4 trades ont été gagnants, ce qui nous a permis de réaliser 1307$ de profit par rapport à notre capital de 7639$. Donc on s'approche de l'objectif final de 10 000$ sur le compte de trading. J'étais parti d'un capital d'environ 2 000$, il me semble, après avoir réalisé un retrait de 3 000$ de profit sur le broker eToro il y a quelques semaines. Donc ça en est tout pour ce petit bilan. Je vous tiens au courant de la date de sortie de la formation, donc ça devrait arriver courant novembre. On touche à la fin de la réalisation de cette formation et je vous invite à vous intéresser de très près au trading range, qui pour moi me permet de générer des profits de façon régulière sur le marché du Forex. Voilà, et bien je vous dis à très bientôt sur Forexagone.